Il était une fois Pygmalion. Il sculptait Galathée, la plus belle statue qui puisse exister. Quand il eut fini, il tomba fou d'amour de cette créature de rêve. Seule ombre au tableau, il ne saura jamais ce qu'elle ressent, ni ce qu'elle peut ressentir. Son sourire est éternel, mais pas réel. Tout en elle est virtuel. Elle est, mais elle n'existe pas. Un masque qui n'irradie pas. Un bonheur qui ne s'échange pas. Mais la flamme brûlait toute l'âme de Pygmalion. Il implora Zeus de lui insuffler la vie. Car si l'amour suffit, rien ne suffit à l'amour. Quand Galathée vit le jour, Pygmalion fut le seul à regretter la nuit. Parce qu'elle n'était plus ces mille et une figures possibles, mais une seule et même figure réelle. Virtuellement, elle était tout, mais réellement, elle n'est plus rien. Il en va de même pour la révolution. Tant qu'elle est virtuelle, elle reste la plus belle, bien plus vraie que le réel. Mais le jour où elle se réalise, elle fait disparaître le rêve avec elle. Tous les sculpteurs de révolution survivent aujourd'hui grâce au net. Vous pouvez les suivre. Ils ne vous suivront pas, parce qu'ils n'échangeront jamais leur possible contre votre réel, ni leur poème contre vos problèmes.